Le budget des ventes, moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est cela. Alors, la première colonne, janvier, février, enfin bon, ça, il n'y a pas de souci. Et regardez bien, je l'ai décomposé en deux parties. Une partie facturation et une partie encaissement. Dans la partie facturation, je vais bien, comme son nom l'indique, indiquer ce que je facture. Et dans la partie encaissement, je vais indiquer ce que j'encaisse. Est-ce que vous comprenez le principe? Alors là, vous voyez des chiffres que j'ai indiqués. Bien sûr, nous allons reprendre l'exemple pour que vous compreniez le principe. Mais déjà, regardez bien, ce qui est important, c'est quoi? Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que dans la partie facturation, ça va peut-être vous servir dans le cadre d'un exercice, mais aussi dans la réalité, pour établir ce que l'on appelle le compte de résultat prévisionnel et le bilan prévisionnel. Or, dans un compte de résultat prévisionnel, ce qui apparaît, ce n'est pas ce que vous avez encaissé en produit, c'est ce que vous avez facturé. Donc, regardez bien, si vous faites ce que je dis, vous mettez d'abord les ventes hors taxes, janvier, février, etc. Est-ce que vous êtes d'accord que le total des ventes hors taxes, comme ça, ça sera le chiffre que vous indiquerez dans le compte de résultat établi, par exemple, ici, à fin juin? On est d'accord? Ensuite, une colonne TVA collectée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la TVA collectée, ça permettra de calculer plus tard le budget de TVA pour savoir quel est le montant de la TVA à décaisser au titre de chaque mois. Et les ventes TTC, entendez, les ventes TTC facturées, ça va me permettre justement de calculer les encaissements TTC en fonction de chaque vente facturée mois par mois. Et je vous ai mis une dernière colonne, bien entendu, qui s'appelle créance ici à fin juin. Pourquoi j'indique ça? Parce que la créance à fin juin, ça vous donnera le montant par définition que les clients vous doivent à fin juin. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien ça servira à indiquer, à calculer, à présenter le bilan prévisionnel à fin juin, si on vous le demandait, bien entendu. Alors, conséquence, ce qu'il y a en rouge ici dans les cellules, eh bien c'est ça que vous reporterez dans le budget de trésorerie, puisque ce qu'il y a en rouge ici correspond bien à la somme de ce que vous allez encaisser mois par mois en fonction de ce que vous avez facturé. D'accord? Alors vous imaginez du coup ça, on peut le mettre sous Excel. Bon, alors évidemment, dans la plupart des examens, vous n'aurez pas Excel à votre disposition, mais si on le mettait sous Excel, on ferait d'abord ce sous-budget, et puis on dirait cette ligne-là en rouge, copier-coller, et aller le mettre dans la ligne vente TTC du budget de trésorerie, bien entendu. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Donc, je répète, le total des ventes hors taxes dans la partie facturation va me servir à établir une partie du compte de résultat prévisionnel en produit. La TVA collectée qui apparaît là me servira à faire le budget de TVA. La partie vente TTC du côté de facturation, c'est ce montant-là. La question que je me pose, regardez bien, en janvier, j'ai facturé 119 600. La question que je me pose, c'est sur ces 119 600, comment je vais les encaisser? C'est pour ça que j'écris à côté la partie encaissement TTC. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? D'accord? Donc, il faut bien que je prenne une illustration hein, pour expliquer les chiffres qu'il y a à l'intérieur. Alors, regardez bien, c'est le grand classique. En janvier, les ventes hors taxes ont été de 100 000. En février, elles ont été de 150 000. D'autre part, les clients règlent 50% comptant, 30% à 30 jours et 20% à 60 jours. TVA 19,6. Pour le mois de janvier, alors qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise a facturé 119 600 TTC. Sur ces 119 600 TTC, ben 50%, soit 59 800 vont être encaissés comptant, donc en janvier, d'accord? Donc pendant le mois de janvier. Sur ces 119 600 qu'elle a facturé en janvier, 30%, c'est-à-dire 35 880 seront encaissés à 30 jours, ça veut dire quoi? Ça sera encaissé donc en février, est-ce que vous êtes d'accord? Et sur les 119 600
20%, c'est-à-dire 23 920, seront encaissés à 60 jours. 60 jours après le mois de janvier, ça fait le mois de mars. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Voilà la différence entre ce que je facture au mois de janvier et ce que j'encaisse sur les ventes de janvier. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce que je vais encaisser. Ce que je vais facturer, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais je dis, moi, ce qui m'intéresse dans un budget de trésorerie, ce n'est pas ce que j'ai facturé, c'est ce que j'ai encaissé. On est d'accord? Donc, pour le mois de février, eh bien, c'est exactement le même principe. L'entreprise a facturé 179 400 TTC. Il y en a 50% de ce montant-là qui sera encaissé, ben, cash, comptant, donc au mois de février. Il y en a 30% de ce que j'ai facturé en février qui seront encaissés 30 jours plus tard, ben, ça sera donc sur le mois de mars, et il y en aura 20% qui seront encaissés à 60 jours, 60 jours après le mois de février, ça fait donc le mois de d'avril, est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà pourquoi maintenant je vous remontre le tableau encore une fois, regardez bien, sur les 119 600 de facturés en janvier, ils seront encaissés de la façon suivante, 59 800 en janvier, 35 880 en février, 23 920 en mars, et après, il n'y a plus rien, bien entendu. Et quand je prends également la ligne du mois de février, en février, j'ai facturé 179 400. Comment ces 179 400 me seront payés? Donc, quand est-ce que je vais les encaisser? Vous comprenez bien que sur ce que j'ai facturé en février, je ne vais rien toucher en janvier. Est-ce qu'on est d'accord par définition? Par contre, sur les 179 400 que j'ai facturé en février, 50% me seront payés comptant. Donc 50% de ce que je facture en février va m'être payé en février, 89 700, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Conséquence, si je descendais maintenant, par exemple, à partir du mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va décaler d'un cran à chaque fois, et tout ce qui n'est pas payé à fin juin devient des créances à fin juin, bien entendu. D'accord? Oui, parce que je vous ai dit qu'on peut vous demander le bilan prévisionnel. Dans un bilan prévisionnel, il y a bien à l'actif le montant des créances clients. Mais qu'est-ce que sont les créances clients? Ben, c'est les gens qui ne vous ont pas payé. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez, que vous compreniez. Sur ce que j'ai facturé en mai, par exemple, il va y en avoir, regardez bien, la moitié qui va m'être payée en mai, 30% qui vont m'être payés en juin, et 20% qui deviennent des créances à fin juin. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur ce que j'ai facturé en juin, il va y en avoir la moitié qui m'est payée en juin, et tout le reste, c'est des créances à fin juin. Est-ce que vous comprenez le principe? Mine de rien, c'est important parce que si on vous demande de présenter le bilan prévisionnel, il ne faut pas oublier ça, cette cellule-là, elle est importante. Voilà pourquoi je veux vous obliger à le présenter sous cette forme, même si, on est bien d'accord, il n'y a pas de forme obligatoire. Mais avec ça, on a moins de chances, ce me semble, d'oublier un certain nombre d'informations. Une autre remarque. Vous vous souvenez, je vous ai dit que dans le sous-budget des ventes, vous l'avez encore sous les yeux ici, vous voyez, au départ, avant le mois de janvier, moi, je ne mets pas les créances qui existaient à la fin de l'année précédente. Ça, moi, j'appelle ça le sous-budget des ventes. C'est ce que j'ai facturé pendant la période. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste? Parce que certains auteurs, dans le sous-budget des ventes, avant, ici, mois de janvier, inscrivent une autre ligne qui s'appelle « Créance au 31 décembre ». Ce n'est pas débile, ce n'est pas ça que je veux dire, bien entendu. Mais quel est le risque de faire ça? Si vous incluez, contrairement à ce que je dis, dans le budget des ventes, si vous incluez les créances du mois d'avant, enfin du 31 décembre, par exemple. Si vous l'incluez, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me mettre ici « créance au 31 décembre ». Exemple, 100 000. Et puis ensuite, pardon, vous êtes capable, je vous connais, de me mettre de la TVA collectée. La TVA collectée, elle a été collectée en décembre, hein, on est bien d'accord. Le montant TTC, puis ici en janvier, vous allez me dire par exemple, en janvier,
on va toucher 50 000, en février, on va toucher 30 000, et en mars, on va toucher 20 000. Ça ne serait pas faux. Mais quel est le problème? Si je vous demande le compte de résultats prévisionnels, si vous faites ça, je vous connais, là, dans la colonne totale, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me faire la somme de la colonne vente hors taxe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et qu'est-ce que vous allez inclure à l'intérieur? Vous allez inclure à l'intérieur les ventes du mois de décembre de l'année dernière. Oui, mais dites-moi, il y a une règle de séparation des exercices quand même. D'accord? Les ventes du mois de décembre, d'accord? Les créances du mois de décembre, ça n'a rien à faire dans le compte de résultats de cette année. D'accord? Voilà pourquoi, je ne vous dis pas que c'est interdit, mais voilà pourquoi moi je vous dis, dans le sous-budget des ventes, vous ne mettez bien que ce que vous avez facturé à partir du 1er janvier. Pas les créances qui existent avant. Vous allez dire, alors qu'est-ce qu'on en fait, ces créances? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis une ligne, moi, avant le budget des ventes qui s'appelle créances à la fin de l'année précédente. Comme ça, je diminue les risques de me tromper. Parce que j'ai quand même, comme dirait l'autre, quelques heures de vol, d'accord? Et j'ai corrigé des milliers de copies, j'ai eu des milliers d'étudiants dans ma vie. Et là, sur la colonne totale, si vous ne faites pas ce que je dis, vous allez m'intégrer, évidemment, les créances de l'année d'avant. Et ce sera faux pour le compte de résultats prévisionnels. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce principe? D'accord? Alors, bien, remarque concernant maintenant le mode de règlement. Alors, bien comprendre que dans le cadre d'un examen, on considérera que tout ce qui n'est pas réglé comptant le sera par effet. Oui, pourquoi? Parce que, quand on le verra plus tard, ça aura son importance pour l'équilibrage de la trésorerie. Parce que sur l'équilibrage de la trésorerie, une des façons d'équilibrer la trésorerie, vous vous souvenez, c'est d'escompter des effets. Donc, moi, dans le budget des ventes, tout ce qui n'est pas payé comptant, je considère, et ce serait très prudent de le faire dans la réalité d'ailleurs, de considérer que tout ce qui n'est pas payé comptant le sera par effet de commerce. Comme ça, je pourrais éventuellement l'escompter si je me trouvais avec un déficit de trésorerie. Alors, une remarque, attention, ça, là, attention, là on va rentrer dans les pièges, il va falloir faire très attention. Remarque concernant la TVA collectée apparaissant dans le budget des ventes. Alors, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Dans le modèle de budget des ventes que je vous ai présenté tout à l'heure, nous avons supposé implicitement, 1, que l'entreprise vend des biens corporels ou qu'elle vend des prestations de services et qu'elle a opté pour les débits. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh oui, on fait un budget des décaissements et des encaissements. Donc on est précis, là. Là, ce n'est plus le concept de la problématique. Là, on est dans le monde réel, les deux pieds sur terre. Le problème, c'est que vous le savez, la règle concernant la TVA, c'est qu'il y a deux grands mondes. Il y a d'un côté la TVA sur les biens corporels et un autre monde qui s'appelle la TVA sur les prestations de services et les travaux immobiliers. Je vous rappelle la règle de droit commun pour pour les biens corporels, d'accord? La TVA, c'est quoi la règle? Elle est à la facturation, enfin à la livraison, souvent la facturation et la livraison coïncident. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est que quand vous vendez des biens corporels, écoutez-moi bien, vous allez voir la différence en trésorerie, ça veut dire en français que l'État considère que vous avez collecté la TVA au moment où vous l'avez livrée. C'est bien, c'est marchandise. D'accord? Même si le client ne vous a pas payé. Est-ce que tout le monde est d'accord? À l'inverse, ça veut dire également que si vous achetez des biens corporels, des marchandises, des produits, enfin tout ce que vous voulez, eh bien l'État considère que vous avez de la TVA déductible à partir du moment où vous avez été livré, vous êtes d'accord, même si vous n'avez pas payé. Ça, c'est le monde des biens corporels. Pour les prestations de services, alors là, attention, pour les prestations de services, il y a deux cas de figure. Il y a la règle de droit commun qui dit que, alors pour les prestations de services et les travaux immobiliers, la règle de droit commun dit que la TVA est considérée comme déductible ou collectée selon l'acheteur ou le vendeur au moment de l'encaissement ou le décaissement. D'accord.
Ah oui, non, mais c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que vous achetez une prestation de service, par exemple un cabinet d'expertise comptable, il vous envoie la facture. Attention, écoutez-moi bien, si vous ne payez pas tout de suite, dans le mois, pour faire simple, eh bien vous n'avez pas le droit de déduire de la TVA. Si vous payez le mois d'après, vous la déduirez le mois d'après. Ça veut donc dire que le cabinet ne collecte pas de la TVA ce mois-ci. Si vous n'avez pas payé, il le collectera le mois d'après. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Simplement, pour les prestations de services et les travaux immobiliers, il y a une dérogation possible au droit commun, qui est donc ce qu'on appelle l'option sur les débits. Et l'option sur les débits pour les prestations de services, ça revient exactement au même que pour les livraisons de biens corporels. C'est-à-dire que si un prestataire de service indique sur la facture, et il n'y a que comme ça que vous êtes couvert, quand je dis vous, acheteur, il doit, s'il choisit d'opter pour les débits, il doit écrire sur la facture que lui, en tant que fournisseur de prestations de service, a opté pour les débits. Dans ce cas-là, bien qu'il s'agisse d'une prestation de service, vous pourrez avoir de la TVA déductible au moment de la livraison de la prestation de service et pas au moment de l'encaissement ou décaissement. Est-ce qu'on est d'accord? Le problème, c'est que du coup, le modèle que je vous ai donné tout à l'heure concernant le budget des ventes, il ne va pas marcher. Ça ne va pas être tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que dans le modèle que je vous ai donné tout à l'heure, vous savez, il y a une partie facturation. Et dans la partie facturation, qu'est-ce que je vous ai mis? Hors taxe, TVA collectée et montant TTC. Est-ce que vous êtes d'accord? Le problème, c'est que là, la TVA collectée, oui, c'est une livraison de biens corporels. Donc, la TVA collectée apparaît bien au moment de la facturation. S'il s'agit d'une prestation de service, j'ai plus le droit d'écrire TVA collectée à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, vous allez voir comment ça se présente. Donc, je vous le rappelle par écrit, en cas de prestation de service sans option sur les débits, le budget des ventes, lui, il va se présenter comment? Alors, regardez bien. Nous allons avoir aussi, bien entendu, une partie facturation, une partie encaissement, ça ne change pas. Une partie créance à fin juin, ça ne change pas. Janvier, février, etc., etc. Et là, vous voyez que dans la partie facturation, je n'ai mis que deux colonnes. Les ventes hors taxes et les ventes TTC. Par exemple, janvier, 100 000. Et les ventes TTC, donc, de janvier, 119 600. De ce point de vue, ça ne change pas. On est bien d'accord. Mais vous voyez qu'il n'apparaît pas, là, la TVA collectée. Conséquence, pourquoi ça n'apparaît pas? Parce que je suis ici dans le cas d'une prestation de service qui n'a pas opté sur les débits. La TVA collectée n'est pas en fonction de la facturation, mais elle est en fonction des décaissements ou des encaissements. Est-ce que vous me suivez? Conséquence, je ne mets pas la TVA collectée dans la partie facturation. Dans la partie encaissement, par exemple, oui, sur ce que j'ai facturé en janvier, j'ai gardé le même exemple, 119 600, il y en a la moitié qui me sont payés en janvier, 59 800, 30% qui me sont payés à 30 jours, donc en février, 35 880, 20% qui me sont payés à 60 jours, donc en mars, donc entre parenthèses, vous voyez, toute la partie encaissement ici n'est pas modifiée. Ça ne change rien. Ça, entre TVA sur la livraison ou TVA, à la facturation si vous préférez, ou TVA sur prestation de service, la façon dont les gens vont vous régler, ça ne change pas. Si on vous dit qu'on paye à 30 jours, à 60 jours, que ce soit une prestation de service ou que ce soit une livraison de biens corporels, si on vous dit à 30 jours, c'est à 30 jours, c'est à 60 jours, c'est à 60 jours. Et dans tous les cas, on vous paye le montant TTC, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Donc cette partie-là ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est quoi? C'est la TVA collectée. Donc la TVA collectée, si je veux la connaître, je ne peux plus la mettre dans la colonne facturation, puisque là, la TVA collectée dépend de ce que j'ai encaissé. Conséquence, je suis obligé de mettre la TVA collectée en ligne. Et vous voyez, sur le mois de janvier, je mets TVA collectée 9 800. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on avait fait le budget des ventes pour une livraison de biens corporels, en janvier, rappelez-vous, j'avais facturé 100 000 et il y avait 19 600
de TVA collectée, c'est-à-dire 19,6% des ventes hors taxes. Tandis que là, je ne peux pas mettre 19 600 de TVA collectée en janvier. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Mais parce que je n'ai pas encaissé 100 000 € hors taxes en janvier. Donc qu'est-ce que c'est que 9 800? C'est la TVA collectée sur ce que j'ai encaissé en janvier. Donc 9 800, c'est 59 800 ce que j'ai encaissé en janvier, divisé par 196 pour l'avoir hors taxe, et le tout multiplié par 0,196 si le taux de TVA est de 19,6%, bien entendu. De la même façon, regardez pour le mois de février. Tout à l'heure, on facturait 150 000 hors taxes en février, donc la TVA collectée du mois de février était de 29 400. Tandis que là, je facture toujours 150 000 hors taxes, donc je facture toujours 179 400 TTC en février, mais, regardez bien, la TVA collectée de février, c'est 20 580, c'est quoi? La totalité de ce que j'ai encaissé TTC en février, 125 580, divisé par 1,196 pour avoir le montant hors taxe, et multiplié par 0,196 pour avoir le montant de la TVA. On est d'accord sur le principe? Donc vous voyez que entre les deux sous-budgets que nous avons vus, c'est-à-dire sous-budget des ventes avec livraison de biens corporels ou avec prestation de services, le montant des encaissements n'est pas modifié mois par mois. Ce qui change, c'est le montant de la TVA collectée. Alors bien sûr, ça n'a pas d'importance sur la partie encaissement, mais quand on fera la prochaine fois la partie décaissement, dans la partie décaissement, il y a le budget de TVA. Et donc vous comprenez bien que si la TVA n'est pas collectée, n'est pas la même, eh ben, ça va changer bien entendu le budget de TVA et ça va changer bien entendu les décaissements et donc le budget de trésorerie lui-même bien entendu. Donc vous voyez, il faut faire attention à ce genre de choses. Je vous rassure, normalement, dans un énoncé, on devrait vous donner la nature de ce que l'entreprise vend, bien entendu. Est-ce que c'est des prestations de services ou est-ce que c'est des biens corporels? Et s'il s'agit de prestations de services, on devrait vous dire est-ce qu'elle a opté ou pas pour les débits. Et si ce n'est pas dit, ben, comme d'habitude, vous émettez une hypothèse, bien entendu, si nulle part c'est écrit le contraire, bien entendu. D'accord? Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le budget des encaissements du budget de trésorerie. Dans un autre cours, bien entendu, nous verrons le budget des décaissements. Et là, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a plus de sous-budgets à faire que pour le budget des encaissements. Je vous remercie de votre attention et donc à bientôt sur Comptez la TV. Merci, au revoir.